Les Congo AL News, première chaîne d'info. Alors, Rina Sil soutient toujours les belles filles hein, dans Congo AL News, meilleure chaîne d'info. On soutient. Les Congo AL News, première chaîne d'info. Bonsoir, bienvenue encore à l'émission Nous les Congo. Toi est encore aujourd'hui, Poto Lebela, sur les programmes d'urgence et à président de la République. Oyo Apesi, ma Congolais, Lelo, aujourd'hui, samedi. Mais la prochaine fois que vous allez vous s'abonner déjà à la chaîne Nabisso, vous allez vous abonner, vous abonner, et aussi lorsque vous abonnez, vous cliquez sur Ngonga Wana et ça vous vibrer pour vous avoir une notification. Nabisso à chaque fois, vous allez aussi vous abonner déjà, ceux qui vous aura une notification, vous recliquez encore na Ngonga Oza place pour s'abonner qui. Vous avez besoin de vous abonner, vous pouvez partager dans l'émission sur WhatsApp et aussi dans les messengers. La dernière fois, vous parlez sur le programme d'urgence, il y a le président Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, président Félix Tshisekedi, Azala qui est changeur de limité, où il a parlé sur 100 jours. Parce qu'il faut que en Europe ou encore dans le pays où il a développé, si j'aurai un bon président, ceux qui président de la bon ou pas, il y a de par décollage, si j'aurai après 100 jours. À partir de 100 jours de Baye Baka, décision prise par le président, est-ce qu'ils ont une décision à bien? Est-ce que Mabiso a dérive? Est-ce qu'ils ont redressé Mboka? Est-ce qu'ils sont importants? Ils ont l'avantage à peuple. C'est pour ça que Bisto Neko, c'est là tout le monde a présent, Félix, a travaillé dans 100 jours et aussi tout a exposé, tout a expliqué aux Congolais sa façon de travailler. Est-ce qu'ils ont un intérêt aux Congolais ou pas? Mais tout le monde a 100 jours, a moins de 100 jours, on a déjà la position à Zui, la position très difficile, surtout pour Mindele Oba, on a copié dans le Congo, causer des forces dans le Mokanabiso. Et aussi, vraiment, à tenir vraiment que non, il faut lutter contre la corruption. Tout le monde a une campagne de sensibilisation anti-corruption, il y a une Kinshasa, donc il faut la corruption, mais les lois, les qui a bimi, à l'oubi, à Pessa, au Leto Zelaye, a travaillé dans 100 jours, mais il y a bimi déjà. À sali programme naïe, après ce programme d'urgence naïe pour 100 jours. Programme d'urgence, on a appelé pour 100 jours, la limite de développer en haut, mais on a pas. Je point mon nous avons un point belé, mais nous avons un point mon kati sur l'eau potable. N'oubliez pas que l'eau c'est la vie. Ce que vous avez mis la main, il y a bien été, santa bane, vous avez bien été, vous avez bien été, vous avez bien été, tuberculose, vous avez bien été, malade belé belé. Mais le président Félix a dit qu'il faut battre. Bah, château d'eau et bah, qui va miner pour la copie ça va congolais maille bon. Il a parlé de la province de Bélé, je vais pas trop dans les détails métier mais à l'inga ça va tout maille bah tout va miller la province na Kinshasa partout dans le Congo. C'est une très bonne chose tant que ça va, mais moi je pense que tant que la copie ça va maille, je ne pense pas que parce que bah, service bah, régie des eaux. Et quand on va province ou dans le village natal, parce que Abima il fait dans le village. Mais est-ce que la population à village a la possibilité de foutre la facture et de régir les eaux? Ça, c'est la question qu'il faudrait maintenant se poser. Est-ce que vous en a facilité tant que vous en a travaillé, il y a qu'on foutre la régie des eaux? Ça, c'est difficile. Alors qu'il y a Kinshasa, il y en aura des gens dans la grande ville, ils ont la bataille au Futa. Ils ont la possibilité au Futa. Facture à maille, mais maintenant, ils sont au Futa, on a Kinshasa. Maintenant, il faudrait maintenant créer une stabilité où il faut se mettre tout le monde d'accord. Il a parlé aussi qu'il faut réhabiliter la transfo, il y a la ville, il y a la province, le barrage où il faut faire, il faut battre Tonga, bon, Tonga après 100 jours, mais il faut battre Tonga en place avant 100 jours, donc maximum 100 jours, il faut l'électricité. Mais dans le village, il y a des l'électricité, il existe déjà, il faut battre Tonga. Est-ce qu'il y a la possibilité de refouter la facture? N'oubliez pas que tout le monde soit refouté en haut. Je me suis posé la question, ma famille, on a pour tenir la main chaque fin du mois. Vous avez la possibilité, la capacité à foutre un mot. Mais est-ce que maintenant, tout le monde soit foutre un mot? Moi, j'encourage l'idée que les Européens soient maillés l'eau potable. Ça, c'était dans mes projets même de dire qu'il faudrait qu'on puisse appeler les Congolais l'eau potable, les Pays Congolais l'électricité. Maintenant, qu'est-ce qu'il faudrait-il faire? Qu'est-ce que nous pouvons proposer maintenant au président de la République? Parce que c'est un grand projet. Projet au sera salaire, les gens vont acclamer, les gens vont apprécier. Au moins, c'est un président qui a du bon sens, qui vraiment répond aux critères. Et puis, là-bas, attends, taper les Congolais. Moi,
proposerai ceci au président de la République démocratique du Congo. Parce que le Congo, c'est un pays riche. Jusqu'à présent, aucun Congolais n'a profité encore de la richesse en Borepso, alors que nous pouvons tous en profiter. Nous avons de l'or, on ne peut pas, j'ai Kamine ou je ne sais pas quoi, Miba, parce que nous avons des ressources, mais un bon pour chaque famille, diamant encore. Parce que créer une justice, parce que nous sommes diamant cher, nous sommes moins cher, et puis c'est très compliqué. Mais on peut faire profiter maintenant la population de la richesse au Congo, en comment. Dans un premier temps, l'eau potable et l'énergie électrique gratuit pour tout Congolais. Que des foyers. À part l'entreprise, ceux qui ont des entreprises, ils ont la charge, il faut pas foutre, parce que c'est du commerce, il faut pas foutre, c'est tout à fait logique. Parce qu'ils ont l'hôtel, l'entreprise, la compagnie, ils doivent payer l'électricité. Mais ce qui maintenant, la population, le foyer, il faudrait qu'ils aient gratuit. Ça profite aussi aux Congolais. Les Congolais vont ressentir que non, nous bénéficions tous de la richesse en bon absolu. Après, maintenant, on a il faut nous devons aussi construire les écoles. Ah, ça c'est vraiment sacré. Ça c'est quelque chose qui est vraiment c'est quelque chose vraiment à appuyer à fond. Construire les écoles. Plus de 150 écoles à construire. Réhabiliter les écoles Moussoussou. À l'université, il faut Kobongisa, Kotonga. Et aussi au lobby que l'hôpital Moussoussa Kinshasa. L'hôpital principal, il faut qu'au Bongisa, il faut qu'au Tonga, hôpital n'a béni, je pense, au Tonga hôpital n'a béni contre Ebola. Ça, ce sont des choses que les Congolais doivent applaudir lorsqu'un président, pour la première fois dans le pays d'absolu, le Congo, a eu une initiative. Aujourd'hui, nous pensons que ça fait partir des hommes humanistes. Je me suis posé la question, est-ce que le président s'est caché alors qu'il était humaniste, ou encore, est-ce que c'est du semblant ou pas? Mais on a l'impression que le président, c'est un humaniste. C'est pour ça que, comme les idées sont humanistes, il faudrait l'appuyer. Non, je pense que si l'eau potable devient gratuite pour les Congolais, l'énergie gratuite pour les Congolais, les soins médicaux, l'éducation obligatoirement est gratuite aux Congolais, je pense que vous marquerez l'histoire du Congo, ma grand tué à Congo, votre nom serait affiché que Félix Tshisekedi fait des grands hommes qui ont battu cette nation. Sera le premier homme congolais à faciliter social parce que dans le projet Nao, vous avez parlé sur le social. Et le social est très important pour un peuple. Un peuple qui n'a pas de social n'est pas un peuple. Aujourd'hui au Congo, nous avons un président avec des armes qui tremblent. Pas un peuple. Parce qu'un peuple qui ne vit pas sous les normes d'un peuple, ce sont des âmes qui tremblent. Ce sont des âmes qui ne savent pas quoi faire, quoi dire. Mais nous avons senti que vous avez... vous voulez diriger les gens. Vous voulez diriger des hommes. Pas des âmes qui tremblent. Ils ont la manzala, tout ça. Ou des corps qui sans âme. Moi, je pense qu'aujourd'hui, nous les Congolais, maintenant, c'est ce que nous pouvons faire. Parce que le président parle... réhabilitation, il y a des écoles, des hôpitaux, construction, hôpitaux, électricité, réhabilitation. Je pense qu'il y a du boulot là-dessus. Il y a vraiment du boulot. C'est pour ça que moi, j'ai toujours dit que tant qu'il y a du boulot comme ça, il faudrait maintenant faire appel à l'expertise. Appel à l'expertise. Au Congo, nous avons les gens qui ont de l'expertise. Nous avons des compagnies qui peuvent aussi construire, comme vous avez évoqué dans le discours, on a dit qu'il y a des entreprises qui vont construire, tout ça. Mais il faudrait maintenant intéresser tout Congolais à aimer sa nation, à s'appliquer, créer une richesse à l'interne du Congo. Parce que vous pompez l'argent pour construire. On ne peut pas que construire, il faudra aussi un suivi éternel qui fera que le Congo existe, le Congo émerge et que le Congo soit dans de bonnes conditions. Maintenant, il faudrait qu'il y ait des PME, Oyo, et qu'on ait là-bas soins, entretien, et puis il y a une entreprise, il y a un bilan, tu fais tout comme un bon absolu. Bien sûr. Donc, il faudrait maintenant qu'on finance la nouvelle génération qui ont cette expertise de créer des entreprises à Kinshasa, d'embaucher les Congolais, les jeunes Congolais qui sont à Kinshasa, qui seront capables de travailler et nourrir leur famille. À ce moment-là, vous, maintenant, les présidents, vous allez dégager dans certaines choses. Parce que, ils ont la bureau, monsieur le président, qui vont calculer à monter parce qu'il fallait que ça soit déjà automatique. Bon, malheureusement, par rapport à ces sermons, ils étaient incapables de le faire. Ils n'ont pas eu ce temps de le faire. Mais moi, je pense qu'il faudrait qu'au Fumola Bakano, on ait sa possibilité de convoquer même le président à Pemé
parce que j'ai l'impression qu'il dort un peu. Il faudrait donner du sens à certaines choses. Et aussi, ministre, il y a eu la diaspora aussi. Il dort aussi parce qu'il y a la diaspora peut apporter beaucoup de sous là, à l'intérieur de notre pays. Parce que si la diaspora s'investisse à terme des PME dans la République démocratique du Congo, la diaspora est capable aussi de créer une banque à laquelle, moi je travaille en France, que mon entreprise, tant que je suis à paye, je suis en banque française, je peux donner RIBI à ma banque congolaise, admettons. Donc, mon argent, je le stocke à la banque congolaise. Donc, lorsqu'on me paye, le temps que je vide mon argent, l'État congolais peut utiliser mon argent pour l'intérêt du Congo. Ce sont des choses, ce sont des projets que nous avons mis en place, que nous ne voulons pas. Bon, ce n'est pas le moment d'en parler comme ça, mais la diaspora peut apporter une expertise. Nous pouvons apporter de l'argent pour financer. L'argent que nous stockerons dans cette banque-là peut financer aussi certains projets, beaucoup d'autres projets, et développement, la 4e mot. Maintenant, marqué pause, pour revenir juste après. Les Congo AL News, première chaîne d'infos. Voilà, vraiment, là, revenir encore aussi, là, je prends sur le plan sécuritaire, parce que le président a dit quelque chose, il tient vraiment au bout de 10 jours, il faut à ça la toile libérée, bah, la détenue politique, et aussi, pour la manifestation qu'ils ont manifesté contre les politiciens ou la politique dans Mbokana Biso. Donc face à la tout, vraiment, tout va libérer Bango. Et ils pensent aussi que les Congolais ou les extérieurs, ou les problèmes politiques, ne peuvent plus retourner au Congo. Ça la tout, va fumer le réseau, va fumer la porte, va zonger le Congo. Moi, je suis tout à fait d'accord à 100%. Parce que dans la diaspora, ici, les Congolais ont peur. Parce que beaucoup, et bien parmi Biso, dénoncent mauvaise gestion. Il y a après les CCR Nayo et Kanela Bango qui vont la liste noire et Bélé Bakina au Congo, un aéroport compliqué à Bango. Et Missus Bamona va comment on va négocier Bango, ils sont négocier Bango, ils sont bloqués au Cambino. Missus va équiper le service à Aner, Benga Bisso côté ceux qui n'ont pas eu lieu pendant la liste noire, ne va pas bouger parce que aux zones beaucoup, beaucoup on a des boules à Bangando, ne va pas Koufaki. Apparemment, ce sont des choses que et Bélé Balo Bati Bongo. Bon, reste à vérifier, mais c'est vrai parce que Armand Tungulu fait partie des gens au Baboma. Ambo Kanabiso, Chebea aussi, la même chose. Et aujourd'hui, tout le monde est même chef Foutimier, le Pungu, au Bakangaki, Nakasai, chef Songe, au Bakangaki, pour faire à Kamouina Sampou. Et ça est important, tant aujourd'hui, ça va tout président de la République, aussi de penser que chef Foutimier, le Pungu, politicien, et puis diaspora, au Bazan expertise, Bazan Apossa, va vous revendiquer. Parce qu'il faut comprendre aussi que lorsque nous revendiquons à l'extérieur, nous ne revendiquons pas pour posant la conflit Nabino posant la Kinshasa. Mais nous revendiquons pour que nous vivons mieux, meilleur, qu'il n'y ait pas de conflit entre nous, qu'il n'y ait pas fait maintenant Nabino, vous allez aussi la facilité, possibilité de se promener comme toute autre personne. Et pas famille dans la mal évité. C'est pour ça que nous manifestons, parce que tout ça, tout ça, monde a tout ça. Ça fait des années que nous existons, mais les Congo ne vivent pas, les Congo sont en train de disparaître. Donc les gens préfèrent être corrompus. Les gens se préfèrent qu'on se faire corrompre au lieu et le bien général, il y a tout même, il y a la famille, il se préfère lui-même se faire corrompre pour aller à exister un jour et puis voilà, il s'en fout. Alors que nous, nous voyons l'ensemble, la totalité. L'argent que nous mettons, nous envoyons à nos familles, c'est vrai que ça aide les familles, mais ce n'est pas à nous d'envoyer l'argent à nos familles, c'est à l'État, c'est la responsabilité de l'État de créer des emplois, de s'investir à son peuple, de prendre son peuple en charge, créer les entreprises, rendre les peuples autonomes, le peuple lui-même va se créer des entreprises, financer les réseaux où ils ont la posa, où ils ont la posa et s'est développé aujourd'hui. Donc c'est pour ça que je dis que moi aujourd'hui et mon équipe, nous serons à Kinshasa, essayer de canaliser un peu ce que la diaspora peut faire au Congo, vraiment de voir le président du PME et à Congo, d'essayer aussi qu'on soit marché, surtout marché, il y a entreprise, il y a bâtiment ou encore d'autres choses dans le pays démocratique du Congo, afin que la diaspora aussi retourne au Congo, puisse asseoir une expertise pour embaucher, pour former les Congolais qui sont à l'interne. Comme ça que nous pouvons sauver notre pays. Si nous ne le faisons pas, ça va être très, 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 très difficile. Donc, la sécurité, le président va libérer les gens, le président acceptera que, bon, parce qu'il a dit qu'il y a Kachou, il y a Aner, il fait Koufa. Donc, et Koufi, si je comprends très bien, va quoi embêter tout mon côté. Vraiment, tout bas, tout fou moi, je fou moi. J'évoquais aussi un point, mon sous-sous, bon, Azo Senga,
ba groupes armés ba congolais ou bazana ba kimaki na yumbi ou ba kimaki na braza, il faut bazonga, il faut sécurité vraiment ezala makasi, sécurité vraiment ezala makasi, surtout la bande de groupes ba zongi ba groupe wana ba rebelle ba rwandais ba ougandais ya ou ezako bomana mboka na biso ou ba bengi na kombo ya ba mai mai ou encore ba Rwanda ba Uganda ba M23 tout ça qu'on sort. Et bien, Rotika, pour les Congolais, pour éveiller, parce qu'on ne peut pas nous arracher ce qui nous appartient pour l'exploiter. Donc, comprenez que les gens qui sont méchants viennent envahir un peuple pour l'intérêt là-bas. On peut pas dire pour ça qu'il faut que la peuple, pas pour ma peuple, on a besoin de m'appeler. Ça, c'est injuste. C'est inhumain. Donc, c'est difficile à comprendre. Très difficile à comprendre. Donc, vraiment, un coup de chapeau, ceux qui vraiment vous pensez comme ça, et vous allez être très positif, vraiment, la peuple congolais, parce que le Congolais a besoin de vivre la liberté, à s'exprimer aussi dans Mbokanaye. Moi, je pense que 100 jours Nayo aujourd'hui, le projet, il y a 100 jours Nayo, et c'est très positif. C'est vrai que ça fait que 36 jours, vous avez le pouvoir. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, le Congo a besoin de faire une opposition, des guerres, de guerres, et oui, il aura le pouvoir. Je pense que nous, les Congolais, aujourd'hui, nous avons besoin de satisfaire les Congolais. Nous, de nous satisfaire en tant que Congolais, de vivre en harmonie, en liberté. Parce que si aujourd'hui, il faudrait d'abord qu'on pense à sécuriser les Congolais. Parce que si vous êtes président, vous êtes ministre ou quoi que ce soit, et que vous avez abandonné le peuple, je ne pense pas que c'est une sécurité. Un président ou encore une administration, des personnes responsables, va créer alors sécurité autour d'eux. C'est quoi la sécurité autour d'eux? Alléger, faciliter et donner une vue meilleure à la population. Ça, c'est la sécurité. Lorsque vous envoyez les Congolais à l'école, vous leur donnez l'eau à boire, l'eau potable, l'électricité, le travail, pardon, l'environnement meilleur, parce que la poubelle est atteinte en Congo, la poubelle est atteinte en Zéla, les gens vivent mieux. Je pense que les Congolais ne vont pas chercher à vous en vouloir. Au contraire, ils vont vous aimer parce que vous participez nager où il fallait que ça soit normal dans mon cas. Donc, moi, je pense qu'il faudrait créer un équilibre social. Et si vous créez un équilibre social aujourd'hui, je pense que tous les Congolais aujourd'hui penseront qu'à vous soutenir votre idée. Moi, je soutiens cette idée de façon que vous arrivez à réaliser ce que vous dites. Parce que vous avez évoqué un point qui m'a aussi vraiment tiqué, c'est qu'il faudrait financer cela, l'encadrer et que la suivi nango et durer nango à la limiter. On peut construire plus de 5000 routes dans la République démocratique du Congo. On peut construire plus de 5000 routes, 5000 km à route, à délai à 5 ans. Il faudrait juste que tu aies un budget, dépenses, tant que ça aurait combien. Il faut que l'on encadre nango parce que tout le monde a la mort, tout le monde a mingi. Tout le monde a la mort, pousser même pas 1 km. Et ça lui a mis millions, alors que Laurent Désiré Kabila, il avait construit Libosso à stade de Marty Rouen à 800 000. Donc, moins cher, les travaux qui toko, les Congolais, ils ont plus que les Chinois, les Tonga. Et aussi, tout le monde a enseigné les Tonga, Banzela, le National 1 au Congo, a renforcé les Tonga, sur 158 000 km, 12 126 km. Donc, 158 000 km, 126 mètres. Dans le Congo, tout ça, 3 400 km. Donc, ce n'est pas assez. Donc, au niveau Matisse, encore plus de 5 000 km. Dans 5 ans, là-haut, c'est une très bonne chose. Comme ça, les gens, les petits, les jeunes qui viendront après vous pour diriger le Congo peuvent aussi continuer. C'est que les habits nous sali. C'est comme ça qu'on peut évoluer. Merci beaucoup. Nous avons eu un moment. Belé sera les 100 jours du président. Mais nous avons eu un point où nous avons aidé Bissot, pour aider les Congolais plutôt avancer. Et aussi, côté la sociale à les Congolais. Sur le côté social, il y a des policiers, il y a des militaires congolais. Et ça serait une très très bonne chose. Le peuple ne sera pas embêté, il sera en sécurité. Parce qu'aujourd'hui au Congo, les gens, par contre, éviter les soldats, les policiers, au lieu de les gens, comme ça, on est ennemi dans le pays. Pourquoi? Parce que alors que nous ne sommes pas leurs ennemis. Ce n'est pas notre faute, ceux qui sont étaient. Donc, les policiers ou les militaires congolais, sont incapables. Il y a pointé du doigt la bateau Oyo, parce que dirigeant Mboka. Par contre, pointé du doigt là-bas innocent, au plaisir de souffrir le coup là-bas. Donc, ceux qui vraiment au tiers, n'ont le but qu'il faut retourner à l'hôpital, à l'école, à la cathédrale, à camp, pour dans le social, à la politicien, parce que c'est dans leur droit, parce que servir Mboka, ils les doivent, il faut les mettre en charge à la famille là-bas. Et ça, c'est tout à fait logique. Donc, ça va arranger notre pays à évoluer. Et je pense que vol
et vous allez vraiment être dans le monde surtout corruption parce que on est dans le monde ban la poto au bazouta ah pour que tu Congo pour fumer la bango cette histoire de 10% il faut quoi il faut que mérite la prison vraiment et puis cause à la punir vraiment donc merci beaucoup nous avons bonne émission au beau partager vous pouvez nous battre la mot pour s'abonner surtout largement l'émission la mission prochainement tu reviens sur l'autre sur là pourquoi mon cinq cardinal à la candidat à président Félix pourquoi comme vous savez la conférence alors que ben ça fait depuis que tu es bien conférence même c'est mon cinq à cela la conférence pour la Congo, mais aujourd'hui c'est décidé où ça la conférence. Mais pourquoi Tshisekedi Kabila tranquille et Siko na Souka à Komiko, Betalibo on a mis ça. Qu'est-ce qui s'est passé? On est dans l'émission au Rwanda, beaucoup de la vérité, beaucoup comprendre qu'est-ce qui se passe. Merci beaucoup. À très bientôt. Les Congo AL News, première chaîne d'info. Siko Kimbo. Ah ouais. Alors, Rina Sil soutient toujours des belles filles hein, dans Congo AL News, meilleure chaîne d'info. On soutient les Congo AL News, première chaîne d'info.